Tellement alors aujourd'hui on se retrouve dans un big haul. Alors on va commencer par Kaby. Donc c'est des collants. Voilà, des collants noirs. Donc ils m'ont coûté 8 euros. Et ils a l'air. Ok, si je les fais tomber par terre. Et ils a l'air super épais. Donc ensuite j'ai pris un pantalon. Un peu élastique. Enfin, un peu beaucoup. Donc c'est super skinny jeans. Donc ça a coûté 15 euros. Ensuite. Si je fais tout tomber. Donc ensuite. Un skinny fit. Donc c'est un jean. Il a coûté 25 euros. Ouais, c'est un peu cher, mais bon. Il faut le laver à part parce qu'il doit déteindre. Super. Et ensuite, un pantalon slim flilt. Et avec des. Voilà, des trucs comme ça. Et c'est retrousser le devin. Donc, c'était à 19. Et il y avait moins 40%, il me semble. Il est où l'étiquette? Ouais. Moins 40%. Donc, bah, ça fait 11,40. Donc ensuite, attends, c'était quel qui avait. Bon, il y en a un, il y avait aussi une promo dessus. Et ça m'a recoûté 15 euros. Là, 15 euros. Donc c'est. Une couleur comme ça. Et on est super à l'aise dedans. Donc en tout j'en ai eu pour 74, non avec les 74 mais avec les promos 62, donc voilà. Ensuite on passe à Vetaffaire, donc je sais pas si vous en avez un chez vous mais c'est super intéressant. Et genre il y avait une écharpe, elle coûtait 40 euros. Et elle a le prix d'actuel, il est à 9 euros, un truc comme ça. Mais c'est super intéressant en fait. Donc ensuite, j'ai pris un vêtement 6 mois. Donc c'est 3,99. Donc c'est un détaché. Et vous avez les petits pieds qui restent. Bon, ça, il est fin. Mais vu que j'ai pas, je crois que c'est la marque. Je crois que c'est pas petit bateau. Non, non. C'est des Shield. C'est ça, je crois que c'est de la marque. Hein. Mais je crois que dans le magasin là, il y a des trucs de marque et ils les ont mis plus petits. Enfin, ils ont baissé le prix. Parce que ça, c'est les Lid Cooper. Et le prix était à 24,90€. Et là, je l'ai eu pour 5 euros. Donc c'est super intéressant. Donc c'est des petites chaussettes. Voilà, pour mettre dans les ballerines. Petites chaussettes comme ça là. Enfin dans les ballerines, dans les baskets. Ensuite j'ai pris. Donc ça c'est des gants comme ça. Alors elles m'ont coûté 9,99€. Et ça valait 39,90€. Je vous mens pas. Donc c'est la marque Rodier Paris. En fait, j'y allais jamais. Et en fait, là, ben, je vais essayer de le mettre. Et en fait, là, vous avez des trucs tactiles. Enfin, vous pouvez utiliser votre téléphone. Donc, ben, je vais vous faire voir vu que je suis avec.
Donc, et là, bah, j'ai essayé juste avant la vidéo, et donc vous avez les deux doigts. C'est super trop bien. Ça. Parce que comme ça, en hiver, pas besoin d'enlever ses gants. Enfin, on connaît là, le truc là. Ensuite, j'ai pris des collants super opaques. Donc, c'est Roji encore de la marque là. Donc, il valait combien? 24,90€, il me semble. Ouais. Et je l'ai eu pour 6,99€. Donc voilà, c'était pas très très cher. Et vu que ben il me fallait des collants, et ceux-là ils a l'air plutôt pas mal. Et vu le prix que c'était avant, je pense que c'est de la bonne qualité. Ensuite, alors on passe à Nose. Donc je l'ai eu à 2,50. Je sais pas si vous allez voir. 2,50, donc c'est un pose plat. Un pose plat. Enfin, un plateau. Donc, je pense que je vais mettre plutôt ça sur ma. Là, là. Et je vais mettre tout le bras. Le. Là. Ah, c'est difficile à montrer, là. Donc, et je vais mettre plein de choses dedans. Donc, ensuite, j'ai acheté un sac comme ça. Il est rempli. Et mais je vous jure, j'y vais à chaque fois et je trouve jamais rien. Mais là, j'ai trouvé plein de choses. En même temps, on est jeudi. Donc, il y avait les so ils ont dû mettre du stock mercredi. Donc, alors, 2,50. Vous allez le voir à l'envers, mais bon, tant pis. Je ne vais pas faire autrement. J'ai gardé les tickets de caisse. Ensuite, j'ai acheté deux coffrets comme ceci. Donc, c'est une eau de parfum. Donc, ça m'a coûté 1,99€. Donc, vous avez la lotion et le mini parfum. Donc, j'en ai acheté deux. Ensuite, j'ai acheté une petite carte Noël. Enfin, ouais, Noël. Je crois que c'est pour la bonne année, ça. Ouais. Ensuite, j'ai acheté des petits pochons pour mettre des cadeaux ou je ne sais quoi à l'intérieur. Je trouvais que c'était pas mal. Par contre, ça, je sais pas combien c'était. Je vais regarder. Bon, je sais pas combien ça a coûté parce que là, dans leur ticket, je ne comprends rien. Donc, il y a des petits sacs pour mettre dans des swaps ou dans des trucs comme ça. Donc, c'est des petits sacs pour ranger des accessoires ou quoi. Donc, alors, 50 centimes. Ensuite, j'ai acheté, c'est quoi, des petits stickers, il me semble. 49 centimes. Je vais peut-être vous l'ouvrir pour voir. C'est pour. Comment dire? Voilà, c'est des petits trucs comme ça, là. Pour sublimer des cartes, en fait. Je sais pas trop comment dire. Et ça. Donc, il y a ça. Et c'était tout. Après, il y avait un carton. Donc, je pense que c'est pour. En fait, c'est pour refaire la carte, en fait. Ah, j'ai compris. C'est pour mettre sur la carte dessus. En fait, vous pliez comme ça, à mon avis. Donc, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. C'est pour faire la carte soi-même, en fait. Je viens de comprendre le truc. Donc, ensuite, il y en a encore plein. Hein. Donc, là, c'est un shampoing. Argan. Well. Donc, c'est hydratant. Nutrition. Et c'est quoi celui-là? Cleanse. Cleansing. Bon, ça, l'huile d'argan. Donc voilà. Ensuite celui-là. Argan Well. Donc c'est l'huile d'argan. Donc c'est la même chose. Et c'est bien parce qu'il y a une opercule. Donc si vous avez peur de prendre les choses et puis qu'ils soient ouverts déjà. Donc ça ensuite c'est l'huile qu'on applique sur les cheveux mouillés. Ensuite, j'ai pris deux boîtes, c'est pour ranger
des cadeaux en fait, c'est voilà, comme ça. Donc cela, ça a coûté, à la base c'était à 2,50 et ils m'ont pris à 0,99 centimes. Donc j'en ai pris deux pour ce prix-là. Ensuite, ça c'est des enveloppes 7 et il y en a 16. Et ça a coûté 65 centimes. Ensuite, ah, un couteau. 2,99. J'en avais déjà pris un autre. Alors, ça, des vernis. Un vernis orange. Donc, c'est de Rachel machin. Je dis Rachel machin alors qu'il n'y a que Rachel le tout court. Et un rouge, donc ça serait peut-être pour offrir ou quoi. Je ne sais pas trop. Et ensuite, pour 30 centimes, j'ai pris une petite bougie. Donc ça fait Frécia. Donc c'est Daria. Donc voilà. Je crois que j'ai. Ah non, il y a encore un autre. Donc on va passer à Carrefour. Donc j'ai pris la gamme Nectar of Nature. Donc c'est bio. C'est une crème de jour. Alors, hydratation délicate. Aloe vera. Je vais y arriver. Je vais tellement parler vite que. Et l'huile d'argan. Donc 50 millilitres. Ensuite, elle est où l'autre petite crème? Donc j'ai pris aussi celle de nuit. Donc pareil, c'est la même chose. Je les ai jamais vues, ceux-là. Enfin, en même temps, je vais pratiquement pas à Carrefour. En fait, j'y suis allée pour une promo sur un mascara, mais bon. Donc ça, c'est à l'aloe vera, une crème pour les mains. Donc je sais pas si je vais les garder pour moi ou si je vais les mettre dans un truc. Enfin, je sais pas encore. Donc Nature Ivory. Donc je suis tombée sur ma teinte. Donc c'est la 105 de chez Maybelline Fit Me. Un fond de teint. Je sais pas si je l'ai dit. Donc j'ai hâte de tester parce que je cherchais un truc comme ça. Donc en fait, pour finir dans la gamme, c'est une lotion tonique à la fleur. À l'eau de fleur. Donc ça c'est pour moi. Parce que la mienne elle est vide. Enfin pratiquement vide. Alors ensuite j'ai pris de Energy Fruits, les bio, Litas. 0% de sulfate parabène. Et au pH neutre. Crème de douche hydratante, fleur de coton. J'ai pas senti mais ça doit sentir trop bon. Elle a bien été secouée la bouteille. Hein. Là, je sais pas trop en fait qu'en pensait cette odeur, je sais pas. Alors, mais d'où vient cette énergie de nous deux? Alors, deux amis de tous les jours qui avons voulu réaliser notre rêve. Alors, de vous. De plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure, vous nous donnez envie d'aller toujours plus loin pour innover. De notre équipe de choc, sans qui cette aventure ne serait possible, de Julie, notre fée des formules, d'Angéline Melin, qui habille nos paquets et ses jolies illustrations, depuis nos débuts, évidemment. De nos hommes, nos enfants et nos copines. Donc une petite phrase comme ça derrière comme ça qui dit des choses. Je vous ai même pas dit les prix. Non, ça c'est mode machin. C'est quoi ça? Nose. 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 Mais j'ai pas le ticket. Donc, vous ne saurez pas les prix. Voilà.
Ensuite ça. Une cire de vitre. Donc dedans il y a des bandes. Elles sont réutilisables ou je sais pas quoi. Et ensuite il y a ça pour chauffer pour la température. Donc c'est super bien. Je l'ai enfin retrouvé. Ensuite des petits gels douche cottage. Donc il y a quoi dedans? Il y a au caramel, à la fraise, bah il sent plus. Donc caramel, fraise et menthe. Donc je sais pas si. Oh ça colle. Ensuite il y a la vanille. Et à la violette. Donc voilà. Les mini savons. Donc ça a coûté 6 euros, je crois. Enfin, ça a coûté cher, mais bon. Je sais pas. Ensuite, j'ai acheté ça. Je sais plus le prix. Ça vous aide? Ça, j'ai pris les chips, machin. Pour les gens, let's. Donc c'est l'original au sel. Et ça a coûté moins de 2 euros, je crois. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Voilà pour ce big haul. En mode chien, voilà. Donc je vous fais de gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.